Bonjour les CP. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon 43. Donc aujourd'hui, on va voir trois sons différents. Alors, il y en a trois, ce sont des sons qu'on ne rencontre pas tout le temps, hein, pas fréquemment, mais il faut les connaître quand même. Donc, il y a le I-E-N qui fait yin, yin comme dans chien. Ensuite, on a E-Y, ça fait E. Et E-I-N, attention, hein, ce sont les mêmes lettres que I-E-N, mais pas dans le même ordre. Donc attention, E-I-N qui fait 1, comme dans peinture. Voilà. Donc on va s'entraîner aujourd'hui à découvrir ces trois sons. Des sons qu'on ne rencontre pas fréquemment, mais qu'il faut savoir. Allez, on y va. On commence avec les syllabes. Donc ici, ça va faire bien, bien, très bien. Attention, le C devant le I. Sien. EY, ça fait E, donc ça va faire quai, né, les, sein. Et oui, EYN, ça fait 1, donc ça fait sein, teint, fin, pain, rein. Dien, attention, ça a changé, hein, tu vois l'ordre. Dien, rien, tien, vient. Très bien, voilà pour les syllabes. Allez, on va passer au mot. Alors, on commence avec le premier. Alors, tu as réussi à le lire? Ancien. Si tu te rappelles bien, ça devait être lundi, on a lu le mot ancienne. Tu te rappelles ce que ça veut dire ancien, ancienne? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vieux, hein, qui est là depuis longtemps. Alors ici, bienvenue. Indien. Très bien. Italien, l'habitant de l'Italie. Alors ici, plein, eh oui. Serein, alors quand on est serein, ça veut dire qu'on est calme, apaisé, tranquille. Hein, être serein, c'est vraiment être tranquille, posé. Un chien, très bien. Une peinture. Un jockey. Alors, un jockey, c'est quelqu'un qui monte à cheval, hein, un professionnel qui monte à cheval pour faire des courses de chevaux. Un poney. Un poney, c'est une sorte de petit cheval. Le volley. Le volleyball, c'est un sport, hein, avec un grand filet, je vais y arriver, un grand filet entre les deux équipes et il faut bien faire passer le ballon par-dessus le filet. Une teinte. Alors, une teinte, c'est un peu un synonyme de couleur. Une teinte, c'est une couleur bien précise. Une musicienne. Tu te rappelles, hein, le N qu'on a vu la semaine, en début de semaine. Alors, celui-là n'est pas facile, attention. Un chirurgien. Alors, un chirurgien, c'est une sorte de docteur, mais c'est un docteur qui est spécialisé dans les opérations. C'est lui qui va opérer les gens. Un gardien, comme par exemple un gardien de but, hein, qui va essayer d'éviter que les ballons rentrent dans le but. Un musicien.
Et le dernier. Un magicien. Magicien avec le G qui fait je devant le I et le C qui fait ce devant le I aussi. Un magicien. Allez, on continue avec les verbes. Elle atteint. Alors, atteindre, ça veut dire arriver à. Par exemple, elle a atteint son but. Elle s'était fixé un objectif, elle y est arrivée. C'est arriver à quelque chose. Elle peint, donc elle fait de la peinture. Alors, attention ici. Il obtient. C'est le verbe obtenir. Obtenir quelque chose, ça veut dire qu'on va nous donner quelque chose qu'on attendait. Il éteint. Rien. Bien. Mien, quand on dit c'est le mien, c'est à moi. Tien, c'est le tien, c'est à toi. Sien, c'est le sien, c'est à lui ou c'est à elle. Allez, on passe au nom propre avec un prénom. Fabien, Fabien. Julien. Audrey, Audrey. Alors ici, c'est le nom d'une région de France. Dans un département, l'Aveyron. Et une ville pour finir, Amiens, une ville du nord de la France. Et voilà, donc juste après, tu as les textes pour demain si tu veux. Et sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles leçons.